Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. On va s'éclater. On va s'éclater. Nous avons roulé une heure et demie pour aller voir une rivière. La rivière, elle est belle. Mais la rivière est belle apparemment. Comme mes courbatures. Apparemment, elle est genre l'eau est super claire et tout. Donc, on va faire confiance aux filles. Hein. Et t'as la clôture. Ça filme ? Non, ça filme. Ah ouais, ça filme. J'ai volé une pomme de pin pour avoir un souvenir de mon voyage et je l'ai appelé Patrick parce que je sais pas. C'était le nom de mon professeur d'auto-école, ça me rappelle des bons souvenirs. Quoi ? Attends, mais je vais me péter la gueule avec ta caméra. Il s'appelait Patrick. Comment ? Parce que moi j'étais à Pine encore, tu vois. C'est ton prof d'auto-école, c'est en mode bon. Oh, on parlait Poyeria. Bah ouais. Viens, on fait une revue Poyeria. Attendez, vérifiez qu'il y a bien le focus sur vos têtes. Bonjour. Ouais, c'est bon. Bonjour. Tu peux nous expliquer ce que c'est une Poyeria? Bon, alors c'est un super. Ça, c'est un petit magasin. Agroalimentaire. Agroalimentaire. Qui fait des mets très distingués. En forme. En forme phallique. Voilà. Et puis du coup, vous pouvez mettre de la crème, des couleurs que vous voulez. Quoi. Choisir la taille également. Voilà, la taille. Comme ça, tu peux un peu pimper ton truc. Voilà. Ou être healthy. Ou être healthy. Et ce truc qu'à Valence, il se situe sur la place de la Vièvre. Voilà, déguster des bites avec plaisir. Tout en restant sain et gourmand. Ce sera la fin de la vidéo. Bisous les followers. Oui, la cognerie pour petite alternative si vous préférez des chats. On a souillé ton vlog. Un truc avec... T'auras les pires plans. Hello, arrête de casser mon lac. Aïe. I'm waking up feeling low. You're on my mind like all of the time, but you're so despicable. And seeing what you've been sharing online, and I miss your good parts. Then remember that you were alone in my sight. I know I'll be fine if you stay on your side of town. Tu veux que je mette un panier pour ta vidéo dans le trou là? Bonne journée. Venez, on fait un concours. Ouais. Il faut que, tu sais, on lance des petits cailloux. Il faut qu'ils arrivent le plus loin possible. Celui qui arrive le plus loin, il a gagné la course. On a qu'un seul try chacun. Il doit faire okay, des okay. Cochers. On a que ok, le challenge accepté. On fait un peu petit cailloux là. On prend des petits cailloux. On prend que ça là. Ouais. Des petits comment? Comme ça? Comme ça, ouais, c'est bien. Comment, comme ça? Ouais. Comme allez, ça. Ça doit faire des cochers. Ça doit faire des ricochets, ça doit pas y aller. Rien, tu veux. De quoi? On fait, on a un seul try et un seul shot chacun. Le but c'est de lancer le plus loin possible. Ah oui. Ok. Ok. Non, non, plus. Ah merde. Oh, à toi. Attends, mais moi j'avais pas pris un plat. Ah, mais t'as bien. Eh, vous allez les prendre. Et maintenant c'est à moi. Et attendez. Allez. Oh, c'est. Là-bas.
bon, on arrive à un petit point de vue. Un peu soft. Hyper habituel, ouais. Hyper quotidien. Et puis franchement, la route toute droite, sans peur, sans problème. Franchement, vraiment, c'est surcoté. Conduit les yeux fermés, la conductrice. Bon. Ivre et les yeux fermés. Une jambe en l'air. Pour les policiers, elle s'appelle Émilie, elle habite à Bordeaux. On se calme. T'as vu Hello? Les lunettes qu'ils ont, les meufs. C'est pour ça, je les ai vues et j'ai fait. Si je les arrête, je fais damn! C'est ça. C'est elles t'ont réagi? C'est pas ça? Non, elles sont pas des couilles. C'est norvégienne. C'est mon regard, désolé. Ah non, non, non. FBI, fausse bonne idée. Okay. Franchement, on a dit c'est un peu banal comme moi, je violent. J'ai volé sa caméra. J'ai volé la caméra d'Alice. Non, parce que l'Andalousie meurt plus ou moins que ça. Quoi ? Je vois qui c'est le mec qui l'espère. Australia, on a dit Australia, et après il fait ouais, vous parlez vraiment super bien, il fait, c'est normal en fait en Australie, la meuf va se vénère à dire normal en Australie, c'est hyper fait. Oh, il y a pas de pignon sur tes fesses. Ah non. Mais si, excellent. Est-ce que là on me voit? Ouais, grave proche en plus, on voit que ta tête. Ah non, ça me va pas du tout. C'est pour dézoomer. Ça veut pas du tout prendre en photo. Mais je vais pas prendre en photo, c'est en vidéo. Ah mais oui, on prend vidéo. Coucou. Je vais faire de la merde alors. Coucou. C'est trop pratique ton stick. Ouais. Ouais, je vais remettre du gloss de pétasse. Du gloss de pétasse. Ouais, oh, Sylvie, c'est dans la boîte. Tu veux voir mon bambou? Coucou, youhou. Yes. Et la bergère. Ah, et ta gueule. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime, need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Can't spend time alone, gave you my hoodie just so you can smell my cologne. On a perdu tout le reste. Ça sert à rien de faire une capture. Arrête.
déconne, t'as dit quoi là? Elle a dit quoi? Attends, attends, c'est quel dos? C'est un truc comme ça. J'ai eu la preuve. I'm down to just waste time right below. Ça filme. J'ai peur d'avoir une fuite. Oh putain. À chaque fois là. Ouais, les gens sont ses cheveux aussi. Ouais. Ouais, mais de toute façon, il va plus servir. Hein. Ouais. On rappelle encore plus qu'elle part. Ouais. Non, mais en plus, tu te rappelles, t'as un examen à rendre là pour demain. Ta gueule. Ah, damn. Damn. J'ai les pieds congelés. Même bien quand j'ai dit. Mamma mia, here we go again. Na 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 na. Mamma mia. Putain, elle le fait trop bien. Un Corinette. Olive, tu l'as pas lancé? Un Corinne, la coquine. Il est timide quand il y a du monde. Tu vas chercher des gosses après. Ça me rappelle ma jeunesse, putain, tu te rappelles le lycée Henri? Exactement. Moi j'ai pris la petite veste de papa en fait. Oh, super, moi j'ai ça, je l'ai. Au courrier. Je réponds pas orageux. Down my windows, it's raining. 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 C'est moi qui ai piqué la caméra d'Élise. On se retrouve le lendemain de la journée. Élise, elle est en train de faire une sieste et de ronfler extrêmement fort dans l'appartement. Donc j'ai du mal à me concentrer. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait après la balade? On allait se poser au bord d'un lac en commandant des pizzas. C'est pas un lac, c'est un fjord. Incroyable, c'est la même chose. C'est la mer, c'est la mer sans vagues. Petite photo pour illustrer parce qu'on est des bons youtubeurs ici. Et c'était super cool. On a dansé, on a attendu le coucher du soleil et puis bah on a kiffé. Réveille-toi. Elle m'exploite pour faire son travail. Et puis ben là, on va aller se promener dans la ville. On s'est reposé ce matin. Et puis je crois que c'est tout. Je suis pas une bonne youtubeuse, mais on va aller prendre un petit café. On va aller se promener dans les quartiers de Bergen. Et on vous emmène. J'ai pas réussi à arrêter. Tu mettras pas ce plan, s'il te plaît. Votre youtubeuse préférée en communion avec la nature. La taille du chien. T'es mal à taille du rat. On se retrouve dehors dans sûrement une des plus belles rues de Bergen. C'est incroyable. T'entendras, mais je suis pas sûre. Mais ça passe. Bon bah les gars, on a mangé nos nachos. Élise, elle a dit ouais, j'ai pas envie de filmer pour mes abonnés, ils vont se faire foutre, on mange tout avant. Donc bon, pourtant, voilà. J'avais insisté, hein. Moi, attendre pour manger, ça me pose pas de problème. Mais... cette lumière avec cette flamme qui tue. J'ai la vue. Il a vu. You having a nice time? Keep a secret. I'm trying to organize a prison break. Frère Alsacienne, mais j'ai pas fait beaucoup. We'd have to first get out of this bar. J'ai trouvé que c'est vraiment très long. T'inquiète. Je filme le paysage pendant ce temps.
Ah mais ça tourne. Clara, bonjour. Bergen, 2022. Une petite bourgade coincée entre mer et montagne, qui abrite pourtant bien des secrets. Entre ces 7 montagnes à visiter, un point culminant, au-dessus de 1400 marches d'altitude. À vous en faire saigner les mollets, mais la vue, croyez-moi, y est imprenable. C'est Sabine. Donc maintenant, elle nous fait la voix américaine. Élise, t'aurais quand même pu me laisser un peu plus de pizza. Tu vois bien que j'ai encore faim. Je vais devoir attendre jusqu'à demain. C'est vraiment pas cool. En plus, je devais aller en soirée avec Brandon. Et il m'a pas invité au bal. Voilà. Oh, on m'appelle. Je peux dire ce que j'ai fait? Bah, je suis un rat un peu. Du coup, j'ai que ça pour voyager. Du coup, sur moi, j'ai un soutif, deux crop top, deux pulls, un legging, un jean, un manteau. Tout dans mes poches puisque j'ai pas de sac. Mon pull là, le rongeur de l'année. Elle part. Je quitte my wife. On s'en va pas nous. Tu veux me regarder partir? Je peux pas partir dans un pays plat. Bisous meuf, on vient. Merci beaucoup. Vole bien. Tu m'écris quand t'es arrivé à Rome. Voilà, je m'en vais. Et voilà, du coup, Oriana, elle est partie. Je vous fais cette petite outro des 10 jours plus tard, mais on s'en fiche. Tout ça pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos que je posterai dans les semaines suivantes. N'hésitez pas aussi à aller checker mon Insta pour plus de contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Je suis trop beau ici. When I wake, you begging me, draining me of my energy. I forgive all.